streamer Grognissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être la 8ème partie de ce fameux playthrough, walkthrough, let's play, appelle-le comme tu veux. C'est hyper simple, chevalier d'Arkham, c'est sans ma présence. Je suis dans les dirigeables stag, rappelle-toi dans l'épisode 7, j'étais arrivé ici en séquence d'intimidation, les amis. Je me rends compte qu'il va falloir que je détruise cette fameuse tourelle. Qu'ai-je donc? Est-ce que j'ai mon dispositif, tu penses, de... Voilà un disque dur, chef. Bien joué. Ah oui, il faut que je désactive la bat vision. Les amis, je vais à peine de m'en souvenir. Parce que sinon, elle te détecte. Et pour Batman... Voilà. Bon, je vais quand même lui faire une petite élimination seul. T'es d'accord avec moi? Attends, on va se balader. J'aime beaucoup en fait, hein. C'est toujours de la même manière. Tu vois, dans les airs, en fait, il y a tout le temps plusieurs points d'ancrage. Généralement, c'était des gargouilles dans les anciens Batman, mais maintenant, c'est de vrais bâtiments et tout. Ils ont enlevé ce côté un peu cartoonesque de mettre des gargouilles dans tout n'importe quel bâtiment. Et au profit, on va dire, d'une réalité... comment dire ça? Au profit, justement, d'un vrai bâtiment réel, tu vois ce que je veux dire? Avec des poutres et tout. Donc Batman, il s'adapte. Moi, c'est ça que j'aime bien. Parce que dans le premier Batman auquel j'ai pu jouer, comme Arkham Asylum, etc., il y avait tout le temps, constamment, je pense, c'était des gargouilles, tu vois. Et en même temps, ça fait très Batman, ça fait très le monde de la nuit, tu vois. Bon, je suis là, je suis en train de parler. Je devrais pas me faire... Voilà. Il y en a plus beaucoup quand même, il y en a deux. Ah oh, bah, il y en a quand même. Moi je suis là, je t'ai dit qu'on a plus beaucoup, mon pote. Allez, on fait la même chose. C'est pas si compliqué que ça au final. Si tu entends un peu ma voix, je suis un peu fatigué. Disons que je me suis levé récemment. Le bras robotique crée une diversion. J'arrive pas à lui envoyer genre un Batarang Ultrason, non? J'ai pas ça, hein, un Batarang Ultrason, non malheureusement. Ah franchement ça aurait été trop stylé pour le coup. Il y a l'idée qui va arriver. Tiens. Je vais voir comment va le gars qui s'est fait avoir. Allez hop, qu'est-ce que c'est? Quand même rire, c'est la stupidité parfois de bonnes. Je sais que généralement on va dire que maintenant que la voie est libre, je peux utiliser cette console pour désactiver les défenses du dirigeable. C'est exactement ça. Allez, c'est parti. Bien joué Batman, mais allez à vous, c'est grâce à la nouvelle tenue, hein, le héros à l'intérieur. Un scanner limite l'accès au système d'armement uniquement aux empreintes digitales de Stag. Sans ces empreintes au complet, je ne pourrai pas entrer. Les caméras de vidéosurveillance me seront peut-être utiles. Je devrais analyser la vidéo pour voir si les mains de Stag ont touché quelque chose pendant l'enlèvement. De là, je pourrais peut-être reconstituer ces empreintes. Encore une séquence analyse, les amis. Comment faire encore pour faire tourner la vidéo LDRT? Ah voilà, attends. Attends, parce que là je suis en train de regarder. Ah voilà. Tu dois faire tourner le joystick tout bêtement comme c'est montré à l'écran.
le chevalier d'Arkham qui en reste. Le professeur Stagg. Je pense qu'il n'y aura strictement rien. Quoique, franchement, je dis ça, mais il avait touché l'écran au tout début ou bien il était juste accoudé. Il faut impérativement que j'aille voir, tu vois. Voilà, reviens. D'accord. J'ai des indices. Il ne laisse aucune empreinte sur ce plan. Ça ne suffit pas. Je dois absolument trouver des endroits où Stagg a pu laisser des empreintes. Ici. Stagg doit avoir laissé une empreinte au sol. Ici. Je devrais examiner d'autres endroits qu'il a touchés. J'aurai plus de chances de trouver la totalité de ses empreintes. Ouais, en fait. Donc ça, c'est parfait. Bon, après, j'en suis sûr et certain. Ici. Ah, voilà. Là, la caméra, elle est directement mise, tu vois. Ça ne me servira pas. Il ne touche rien du tout sur ce plan. Là, ici, ouais. Là, ici, ouais. Il a touché le sol après être tombé dans les escaliers. Je dois chercher d'autres empreintes. Parfait. J'aime bien comment il le balance, t'as vu ça? Et donc là, on continue. Je pense que c'est ici, hein, la caméra de l'escalier. Il a touché ici, t'as vu? Il a touché cette rampe quand il s'est redressé. Il me faut plus d'empreintes pour finir la reconstitution. D'accord. Donc, c'est cool. Et là, la dernière empreinte. Je pense que tu le... Voilà. Ouais, il l'a touché ici. Stagg a laissé une empreinte, près de la sortie de la pièce. Je sais où Stagg a laissé ses empreintes. Je n'ai plus qu'à scanner ses emplacements. Parfait. On va reconstituer. Alors, c'est quoi le plan? Reconstruire les empreintes digitales à partir de ces toutes petites miettes? Oh, en parlant de toutes petites miettes, je me demande comment va Barbara. J'ai une empreinte d'index juste ici. Encore trois lieux à analyser. D'accord, parfait. Donc, que je m'en souvienne, il y a un escalier. Je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà. Ça doit être l'endroit qu'il a dû toucher. Voilà. Ensuite, n'y avait-il pas un autre endroit? Rappelle-le-moi. Non. Analyser la preuve. Bon. Ah voilà, ça c'est la toute ça c'est le tout dernier endroit, mais j'ai dû en oublier un. Il a laissé des empreintes de son annulaire et de son auriculaire à cet endroit. Encore deux points à analyser. D'accord. Je me disais bien, j'ai dû oublier en fait un endroit, les amis. Ah oui. Voyons voir ici. Non, c'était pas ici. Celle-là, je l'ai déjà faite, mais c'est juste pour me souvenir. Ah oui, voilà, c'était par là. C'était donc par là qu'il était tombé. Je trouvais pas le bon escalier, les gens, je suis désolé. J'ai réussi à reconstituer l'empreinte du majeur de Stagg. Il reste encore une zone. Il reste encore une zone. Ici, je l'ai eu. Hein. Donc, quand tu vois la clé dorée, normalement, ça veut dire que tu l'as eu. Ensuite... Voilà. J'ai toutes les empreintes. Parfait. Je devrais pouvoir accéder au système informatique de Stagg maintenant. Allez, c'est nickel. J'aime beaucoup ces séquences de détective Bruce. Toi aussi, je pense. Allez, on enchaîne. Je ne peux pas désactiver les tourelles de l'autre dirigeable à distance, mais je peux contrôler les tourelles de celui-ci. Franchement, c'est excellent. Les armes ne sont plus un problème. Passons à l'épouvantail. L'épouvantail, les amis. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'avance de plus en plus dans l'histoire. Je vais quand même aller voir ici. En temps normal, j'aurais pu utiliser, tu vois, les carreaux, etc., etc., pour les séquences d'intimidation. Ça donne un gameplay beaucoup plus intéressant, mais je le ferai en stream. Là, franchement, je perds pas énormément de temps durant ce playthrough, même si, voilà, moi, je le joue pour le fun, quoi.
Je te le dis clairement, hein. Ça veut dire que j'ai pas forcément de limite de temps ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vous faire un playthrough parce que j'enchaîne plutôt que tu me vois tourner à gauche, à droite, faire des défis, etc. etc. Allez, c'est parti les amis, j'ouvre la porte avec les empreintes de Batman. Je vous disais, là tout de suite, j'aime bien prendre... Attends, je me tais. Monsieur, concernant l'identité de ce fameux chevalier d'Arkham... Qu'avez-vous trouvé ? Rien, monsieur. Parmi les anciens détenus d'Arkham City qui ont disparu dans l'évacuation, aucun ne correspond au profil. Il faut élargir. Quand le Joker a pris Arkham, des dizaines de détenus se sont enfuis. Cherchez des hommes jeunes avec un vécu militaire. Je télécharge les fichiers, monsieur. Très intéressant, toujours à la... Et tu vois, il fait plusieurs choses à la fois, hein, cette enquête sur le chevalier d'Arkham, qui est quand même le personnage, je pense, principal avec l'épouvantail de cette trilogie de Batman, je te disais. Arrêtez de me dire, ouais, Grony, tu passes trop de temps à faire ci ou à faire ça. Je joue au jeu de la façon dont je veux. Moi, quand t'es chez toi, que si t'as envie de tracer la mission en 30 minutes, j'ai envie de la faire en 45 ou 50 minutes, libre à moi, tu vois ce que je veux dire? Après, franchement, voilà, j'ai pas forcément envie de perdre énormément de temps, mais moi, ça me fait du bien de me poser, d'apprécier un bon jeu. Et chacun joue à la façon dont il veut, les amis. C'est le seul message que j'avais à faire passer. Voilà, no stress. On est là pour le plaisir, pour le fun. D'accord? Styrol. Ouais, un truc comme ça. Je sais pas, je suis en train de... Styrol, le Styrol. Bah oui. Non? Attends, parce que... Allez, pote. Ah! Styrol. Oui. Oui, parfait. Le Styrol. Je sais pas c'est quoi le Styrol, j'ai déjà entendu le mot, mais je sais pas c'est quoi. Voyons voir. On sait rien analyser ici, il y a un ordinateur. Ça, c'est une trappe par laquelle tu penses qu'on pourra passer plus tard, sûrement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu m'as fait, bordel? C'est pour t'aider, idiot. Maintenant, celui qui te touche, il se prend 1000 volts. Les tenues de combat de la milice peuvent libérer une charge électrique temporaire. Je ne peux pas les frapper tant que c'est le cas. Ça, c'est de la balle, les amis, je vous jure. Est-ce qu'il y a moyen, tu penses, de les hacker? Oui, hein. Il y a un verrou magnétique. Ah oui, mais c'est la salle du début, ça. Et tu penses que d'ici, je pourrais les faire basculer, eux, ou pas? C'est ça la vraie question. J'ai perdu ma connexion aux commandes d'inclinaison du dirigeable. Ah non, c'est trop dommage. Je te jure que c'est trop dommage. Je vais vite analyser quand même, voir ce qu'il y a. Ce que je veux faire, c'est que je vais un peu jouer quand même avec le Batarang, parce que j'avoue que ça fait super longtemps. J'y ai pas joué. Ouf. Ouais, c'est... Je me trompe en fait, hein. J'aime bien quick pour faire moi. En tout cas, j'aime beaucoup la nouveauté justement de la crise. Tiens, ça.
Bon, mes combats ne sont pas forcément épiques, je l'avoue. Excusez-moi de vous interrompre, Monsieur Wayne, mais une autre amélioration pour la voiture est disponible si vous êtes intéressé. Alors là, moi je dis pas non. Le virus UC, info amélioration. Ah, ça va vous plaire. Je l'ai programmé moi-même quand j'ai vu ce que vous deviez affronter. Le virus du drone pirate l'armement des tanks de la milice et les pousse à viser leurs propres alliés. Ouh ! Alors là, je vais vite aller voir ici, c'est quoi ça ? L'impulsion électromagnétique neutralisera les véhicules à proximité ainsi que les missiles en approche. C'est l'arme idéale dans les situations délicates. Non, je prends le virus UC, ça m'intéresse. L'option la plus agressive, Monsieur Wayne ? Étonnant que ça n'ait pas été votre premier choix. Je me mets tout de suite au travail. Le point d'accès aux commandes de stabilité a été détruit. Franchement, et t'as vu comment y a une gradation, ça veut dire que la difficulté se met de manière croissance. Hein. Là maintenant, les tenues de la milice, tu vois, il y en a, ils ont des décharges électriques autour et tout. T'es obligé d'utiliser justement ton fameux équipement. Bon, moi j'avais mis le Batarang, en l'occurrence c'était la patte griffe, pour... tu peux attraper, tu vois, en mode scorpion dans Mortal Kombat, get over here, tu l'attrapes et pff, tu commences à l'enchaîner. Des effets de ralentissement et tout. Au moment où tu vas pour donner des droites, franchement c'est trop stylé. J'analyse vite fait la pièce, les gens. Apparemment, je peux pas continuer à utiliser ici. Ouh, c'est quoi ça? Je dois passer en bas. Ici. Attends. Déjà on réutilise le dispositif. Voilà, on va pirater le bazar. C'était macromolécule ou un truc comme ça que je m'en souviens. Oui. Allez, j'ai tout là. Oui. Parfait. Allez, cette fois-ci, je peux m'en aller. Ah non, je peux pas aller par là. C'est la tyrolienne. Coup de pied planant par la fenêtre. Tu penses que je pourrais faire ça? Wow. Et la Bad Vision qui s'active automatiquement. Nice. Je ramasse quand même pas mal de dégâts mine de rien, mais quand tu finis un combat, tu régénères toute ta barre de santé. Ça c'est cool ça. Donc là je suis dans le deuxième dirigeable des gens, toujours à la poursuite de l'éventail, je ne t'apprends strictement rien. Et on va essayer de hacker. Y a-t-il une console à proximité? Non? Oui? Non? Je cherche. Vite fait. Non pas vite fait, à mon aise plutôt. Système de sécurité à partir d'une empreinte vocale build. Voilà, tu t'approches, tu la mets, ça peut pas. Porte verrouillée. Mon pote, il va falloir que je passe par les airs, t'es d'accord avec moi? Par un certain endroit. Je vais quand même vérifier, les décors sont vraiment superbes. Je sais pas le temps que ça prend aux développeurs de réaliser des décors comme ça, tellement poussés, mais franchement j'aime beaucoup. Alors, par où est-ce, les amis? C'est par où, mon pote?
Non, là, je suis de l'autre côté, là. Là, je suis de l'autre côté, moi. Ça. Besoin d'un transport rapide et réfrigéré, cette entreprise est dirigée par un drôle d'oiseau givré. Est-ce que tu penses que je vais trouver le drôle d'oiseau givré? Alors là, je cherche. Le drôle d'oiseau givré, ça doit être le pingouin. Il faut que je trouve le pingouin. J'en suis quasi sûr et certain même, limite. Tu vois? Non, j'ai... Je sais pas. Ah, voilà. Ouais, les amis. Le gel explosif. J'ai perdu quelques minutes. Et... Et on peut continuer tranquillement. J'ai tendance parfois à rechercher à travers Messieurs, le mur et tout. Monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Notre vieil ami, Monsieur Stagg, a manqué à son devoir qui consistait à garder le déluge chargé et prêt pour l'opération. Nous allons devoir nous en occuper nous-mêmes. Je veux des hommes au laboratoire de recherche pour transporter les cellules d'énergie et charger le dispositif. Et je veux encore plus d'hommes pour les défendre. Ne me décevez pas. Par contre, là, je peux l'utiliser pour péter la vitre. Oui, voilà, t'as vu. Ça reste quand même assez intuitif au final. Hein. Nickel. Allez, on fait ça. Là, je trouve que c'est intéressant. Son gel explosif n'aurait rien pu contre une grosse caisse, ça oui, tu vois. Oh. Analyser les trophées actuellement inaccessibles pour les ajouter à la carte plus tard. D'accord. C'est juste là en face, hein, tu l'as fait. Allez, nous on continue. Tout doucement. Tranquillement. J'ai quand même envie d'aller voir c'est quoi cette porte, même si je pense qu'elle sera verrouillée. Oui, j'en étais sûr et certain. En bref. Tu as vu le signe de connexion réseau là? Ça c'est quand tu t'approches d'un point par lequel tu seras obligé, limite je pense, de l'utiliser, tu vois ce que je veux dire? Je prends vite le gel explosif. Je ne pense strictement rien. Voilà, voilà. Exploser, en fait. Ça me tenterait quand même d'aller faire un tour par là. La nouvelle formule est une merveille. Le gaz. Ah ouais. Ça se trouve, je vais débloquer, tu vois, un collectible ou un truc comme ça. Ah ouais. T'as vu comment porte ça? La toxine de terreur peut présenter un danger pour vous et vos proches. Une exposition prolongée à la toxine de terreur peut provoquer de violents traumatismes psychiques. Ah, je t'assure, bateau, ces spots publicitaires sont de mieux en mieux fichus. Alfred, Stagg et l'épouvantail collaboraient sur un projet portant le nom de Code Déluge. Mais dans ce cas, monsieur, pourquoi l'épouvantail attaque-t-il Stagg? Stagg a dû essayer de le doubler. Il veut le dispositif. Je vous débloque l'accès au réseau informatique de Stagg. Cherchez ce que vous pouvez trouver sur le déluge. Je veux savoir ce que c'est. Entendu, monsieur. Ah bah tu vois, comme quoi même mener des petites enquêtes en recherchant les notes, etc., etc., peut... justement, ça peut te permettre de mieux comprendre l'histoire. Et le scénario, il est très très bien poussé. Moi, j'aime. Franchement, j'aime. Et c'est ça pour moi, Batman, aussi. Allez, on utilise l'ordi. Au final, tu l'auras vu, hein. Je suis même pas rentré, tu vois, dans la pièce.
pitié, laissez-moi partir. J'ai tant d'argent que même Batman ne pourra pas nous stopper. Mais t'as pas pu t'empêcher de trahir l'épouvantail encore un peu plus. Écoutez, je regrette. Je suis vraiment désolé. Oh non, tu l'es pas encore. Quand la toxine de l'épouvantail remplira ta cellule, par contre là, oui, tu le seras. Oh pitié, non. J'ai vu ce que cette chose faisait. S'il vous plaît, aidez-moi. En neutralisant la mitrailleuse, je risque d'attirer l'attention. Je devrais m'en occuper en dernier. D'accord. Donc là, tu le vois, pour la toute première fois, on va affronter Méga Brut. Je vais quand même vérifier, et je te disais, hein, je suis pas rentré par l'autre pièce. Il y a deux portes par lesquelles je ne suis pas encore rentré. Là, j'entre dans celle-ci. Bon, je vous continue l'histoire, bien entendu. Hein. Mais j'aimerais bien voir ce qu'il y a dans les autres chambres. Ça se trouve, il y a des défis de le mystère ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, lui, je vais quand même élimination silencieuse. Allez, hop. Et oui, personnellement, j'utilise énormément. Je te disais, j'utilise beaucoup. Voilà. Normalement, ils vont me perdre de vue au bout d'un moment. L'objectif, c'est de beaucoup bouger, tu vois. Exécuter élimination sinistre pour recharger la compétence multi-élimination. Ouais, je vais en faire une, tiens. Allez, ramène-toi, bébé. Le grappin est tellement génial, c'est un truc de ouf quoi. Le gros, t'as vu le gros de Dieu où il est ou quoi, c'est génial hein. Par contre, j'avoue que ma santé là, ça va être hardcore pour finir le bazar. Hein. T'es d'accord avec moi, quoi? Batman est ici, ne le laissez pas passer. L'épouvantail doit finir son travail. Attends, ce qu'on va faire, c'est que je peux même faire ça. Batman est là. Il commence à flipper, je kiffe quand il commence à flipper. Allez, ça va te faire du bien de dormir un peu, je crois, mon bébé. Oui, je vais utiliser la batterie. Je pense que je peux la peindre lui aussi. Notre travail touche à sa fin. J'ai quand même utilisé le dispositif. Les calibrages sont presque terminés et le déluge sera bientôt chargé. D'ici là, continuez à m'apporter des cellules d'énergie. Je me mets ici, ça va être beaucoup mieux.
Allez, mon pote. Seuls les cadavres, vous pouvez avoir. Il suffirait qu'il me touche une fois que je meurs, hein. C'est pour ça que je prends tout mon temps. Je m'en voudrais pas, hein. Mais le gros de Dieu, là. Y'en a deux? Y'en a deux ou je rêve? Attends, y'en a combien? Non, y'en a que un. Comment ça se fait que j'entends deux fois dans le casque là? Bon, allez. J'arrête de faire l'idiot parce que. Vous avez peur de ce que je vais faire une fois que le déluge sera chargé? Ne craignez rien. Je garantis votre protection. Redoutez plutôt ce qui vous arrivera si vous ne terminez pas le chargement. Waouh, 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 les amis. Les pouvantails ne sont plus répondus. Ça ne peut vous partir d'une seule chose. Il ne nous reste que quelques secondes. Prêt? Pas encore. Le déluge n'est pas totalement chargé. Alors on va devoir finir en route. Préparez l'extraction. C'est juste excellent. Batman, vous allez m'aider, pas vrai? Vous devez me faire sortir d'ici. Ils sont cinglés. Vous m'avez menti. C'est votre dernière chance, Stagg. La dernière. Bon, d'accord. Écoutez, l'épouvantail m'a contacté. Il avait besoin de mon aide pour le déluge. À quoi il sert? Non, 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 non. Les laissez pas me toucher. Ce foutu déluge, Stagg. Dites-moi à quoi il sert. Je ne sais pas. J'en ai partout sur la peau. Ah, ils sont en train de me grimper sur le visage. Ah, je devrais vous abandonner à vos cauchemars. Oh là là. De la folie, les amis. Wow. Ok, c'est maintenant. Le moment qu'on attendait tous les deux. L'épouvantail est en bas. Veux-tu l'arrêter et sauver Oracle? Ou vais-je encore profiter de ce gaz délicieux pendant qu'elle meurt sous tes yeux impuissants? Comment on décide? Approchez, approchez! Venez jouer à trouver le véritable épouvantail. Alors, où est notre premier candidat? Là, l'homme avec les oreilles pointues. Venez tenter votre chance. Quel est votre nom, monsieur? Bro? Dommage, bateau. Tu n'es pas en train de mourir. C'est juste une impression. Ma toxine remplit tes poumons. Elle te noie dans tes plus grandes peurs. Qu'est-ce que tu vois? Une ville qui a sombré dans la terreur? La trahison de ceux en qui tu as le plus confiance? Tes secrets les plus sombres révélés? Gotham regardera pendant que je mettrai en pièces ton esprit. J'arracherai ce masque de ton visage, et le monde entier verra la peur dans tes yeux. Alors, ils comprendront, eux aussi. Non, il n'y a pas de sauveur. Plus d'espoir. Plus de Batman. C'est peut-être déjà le cas. Quoi?
Regardez-moi. Je déchire grave. Et ce corps, il est balèze. C'est incroyable. Ce n'est plus pareil. Tu es spécial. À ce stade, je dirais qu'il est encore en chantier. Mais c'est vrai qu'il y a du potentiel. C'est fini. Inutile de courir. Je n'ai jamais dit que j'allais courir. Monsieur, l'épouvantail diffuse un message dans toute la ville. Il faut que vous voyez ça. Qu'est-ce que ça fait de voir ta ville sur le point de sombrer et tes amis sur le point de mourir? Cette fois, tu as atteint tes propres limites, Batman, et ton échec sera bientôt incontestable. Quand la dernière étincelle de vie quittera son corps inerte, elle saura que c'est toi le seul responsable de son malheur. Alfred, il a emmené Oracle dans son repère, à Chinatown. Je suis en route. Faites vite, monsieur, je vous en prie. Qui sait ce qu'il va lui faire? Wow. C'est une dinguerie, les amis, ce à quoi on vient d'assister. La cinématique, l'épouvantail, qui manipule très très bien la peur, justement grâce à ses toxines et tout. Le déluge de l'épouvantail, wow. Franchement, exceptionnel. Moi, je continue juste pour clôturer jusqu'au prochain point de rendez-vous. Les amis, c'est la fin, justement, de ce 8e épisode. Quel beau 8e épisode. On en a fini avec les entreprises Stag, avec les dirigeables. On se rend compte, là, je passe en même temps par Ace Chemicals. Et honnêtement, ce Batman, niveau scénaristique, j'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs. Franchement, il porte très très bien son nom de trilogie, c'est exceptionnel. Vous êtes d'accord avec moi? Prochain objectif, les amis, retrouver Oracle, car je vois que l'épouvantail est en train de mener à bien sa mission. C'est un épisode un peu plus court que la moyenne que je vous propose aujourd'hui. D'habitude, c'est une heure. Aujourd'hui, c'est juste 45 minutes. J'espère vraiment que vous aurez pris plaisir à jouer en ma compagnie. Mille merci pour votre fidélité. Faites péter un max de likes et de partages. On se retrouve pour le 9e épisode. Ciao les gars, plus bye bye, c'était Grony, bye bye.